Un incendie fait des dégâts au marché de Bungin à Ouagadougou, des dégâts qui ne sont pas encore entièrement évalués, mais l'intervention à temps des soldats du feu a permis d'éviter le pire, les premiers constats du sinistre dans ce journal. Les autorités de la transition qui sont pour la loi sur le projet sur la dépénalisation des délits de presse, ils en ont fait une priorité et elles promettent des textes de qualité sur la question. Et l'Arabie saoudite qui a inhumé le roi Abdallah décédé des suites d'une pneumonie, c'est son frère Slaman qui lui a succédé aussitôt. Ce sont les titres qui seront développés pour vous dans cette édition de l'actualité. Bienvenue à tous et merci de votre attention. C'est donc le côté sud du marché de Gungin à Ouagadougou qui a été ravagé par les flammes. L'incendie s'est déclaré très tôt ce matin. L'intervention des sapeurs-pompiers a permis de limiter les dégâts. On ignore encore les causes du sinistre. C'est Aboubaka Sagno qui a fait le constat pour nous ce matin. Il est 1h du matin ce vendredi. Une partie du marché de Gungin à Ouagadougou est en flammes. Les sapeurs-pompiers arrivés sur place ont pu maîtriser l'incendie avec l'aide des populations riveraines. À la levée du jour, le constat est amer. Sous ces morceaux de tôle calcinée se dressaient des étals des vendeuses de légumes et des produits forestiers non ligneux, mais aussi les hangars des coiffeuses. Des poulets vivants parqués ici par les revendeurs, il ne reste que de la chair brûlée. En dehors des dégâts matériels, il n'y a pas eu de perte en vie humaine. 3h du matin, la boulement. C'est à 3h du matin qu'on m'a informé que le marché a pris feu. Je me suis levé tout paniqué, mais je suis content parce que les habitants du quartier sont venus nous aider à éteindre le feu. Bon, comme c'est un marché à gestion privée, ça fait que bon, la gestion est un peu différente des autres structures des marchés qui ont été bien structurées. Parce qu'on n'a pas d'accès, parce que c'est anarchique. Pour l'instant, on ne sait pas encore si l'incendie est d'origine criminelle ou accidentelle, mais l'hypothèse d'un court-circuit est à écarter, la zone du marché partie en fumée n'étant pas électrifiée. L'enquête entamée par la police scientifique permettra peut-être de déterminer les causes du sinistre. Je me rappelle que quand j'étais toujours en fonction, nous sommes venus ici, on a tourné avec les pompiers et on a vu certains endroits qui posait problème. On a attiré l'attention des uns et des autres. Mais vous savez, quand on est dans un marché comme ça, bon, il y a des gens qui perçoivent rapidement, il y a des gens qui ne perçoivent pas. Bon, c'est pourquoi, bon, de telles situations, si on y prend garde, ça peut arriver partout dans la ville, pas ici seulement. Des membres de la délégation spéciale chargée de la gestion des affaires communales étaient sur place. Un comité d'évaluation des dégâts matériels et d'identification des personnes affectées a été mis en place. 12 ans après l'incendie du grand marché de Ouagadougou, cet incendie relance le débat sur la gestion et surtout la sécurité des lieux publics en général et des marchés en particulier. Un coup d'œil à présent sur le carnet d'audience du chef de l'État. Deux personnalités ont été reçues hier par le président du FASO, le vice-président de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, venu encourager les autorités de la transition pour le bon déroulement du processus, et le représentant spécial de l'Union européenne pour le Sahel, qui a évoqué la question des élections avec Michel Cafando. Le résumé des audiences avec Olopoda. L'opinion européenne est très attentive au bon déroulement de la transition politique au Burkina Faso. Le représentant spécial de l'Union européenne pour le Sahel l'a signifié au président de la transition, Michel Cafando, avec qui il s'est entretenu. L'Union européenne accompagnera le Burkina, accompagnera les autorités de la transition jusqu'au bout de ce processus pour qu'il puisse être réussi encore une fois dans les meilleures conditions. En particulier, nous appuierons tout le processus électoral, ce qui est un processus long qui commencera très, très vite maintenant, jusqu'à son terme. Autre sujet abordé par les deux hommes, l'insécurité galopante dans la sous-région.
très sensible à tous les facteurs d'instabilité, l'Organisation européenne renouvelle son engagement à appuyer les pays sahéliens dans leur lutte contre le terrorisme international. Nous avons évoqué avec le président les questions liées à l'extrémisme religieux qui se manifeste parfois dans la région, on a vu les événements du Niger. Pour ce qui est de l'Union européenne, les questions de prévention de la radicalisation, comme on dit quelquefois, ont été identifiées déjà comme un thème très fort de coopération. Nous sommes prêts à appuyer l'ensemble des pays de la région dans des programmes qui seront montés pays par pays par les ambassadeurs de l'Union européenne en partenariat avec les différents acteurs ici du Burkina, si le Burkina le souhaite. Une autre personnalité reçue par le président du FASO, le vice-gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, Jean-Baptiste Compaoré, est venu pour encourager les autorités de la transition. Le vice-gouverneur de la BCAO a par ailleurs réaffirmé la disponibilité de l'institution bancaire à être aux côtés des États pour relever les défis de la construction communautaire par le renforcement de la monnaie unique. Et on remet le couvert pour le projet de loi sur la dépénalisation des délits de presse. Les autorités de la transition, qui confirment que le processus est avancé, promettent aux professionnels des médias des textes de qualité. C'est l'un des sujets abordés lors des échanges directs hier entre le président du FASO et les patrons de presse, Maxime Zongo. Très attendu dans les rangs des médias, la dépénalisation des délits de presse, objet d'une lutte de longue haleine, serait en passe de devenir une réalité. Les autorités éprouvent à l'appui en ont donné l'assurance hier lors du face-à-face président du FASO, patron des médias. Le processus il est ouvert parce qu'il y a déjà une base de ce document qui a été fait de façon consensuelle et qui a été accepté par les acteurs. Mais au cas où on estimera donc qu'il faut aller loin, je pense qu'au niveau du travail qui va être fait donc au niveau du CNT avec la société civile, les différents acteurs, on pourra évidemment aller au-delà si on estime donc qu'il y a encore des éléments qu'il faut rattraper. Une base solide et acceptée par les acteurs, un processus très avancé qui n'attend que le feu vert du gouvernement et du CNT, le bout du tunnel est pour bientôt. Il ne s'agit pas de rendre le journaliste irresponsable de ses actes. Il s'agit seulement de faire en sorte que plus jamais aucun journaliste ne puisse aller en prison du fait de sa profession. Cela dit, le journaliste restera responsable des actes qu'il pose, puisqu'il pourra être toujours attrait devant les tribunaux pour répondre des délits qu'il peut commettre. Mais ces délits-là seront simplement sanctionnés par des peines purement pécuniaires, comme cela se fait dans les pays vraiment démocratiques. Si aujourd'hui le gouvernement prend cet engagement et que nous arrivions vraiment à obtenir cette dépénalisation, je pense que c'est un grand plus pour la presse. Les autorités de la transition qui n'entendent pas faire les choses avec précipitation s'engagent à respecter toutes les étapes et toutes les procédures. Ce qui est certain, ont-ils affirmé, des textes de qualité seront opérationnels à l'issue de la transition. L'organisation de la conférence islamique soutient le gouvernement burkinabé pour le succès de la transition. C'est en substance le message que le représentant de l'OCI a livré hier au Premier ministre Yacouba Isaac Zida. Écoutons l'émissaire de l'organisation religieuse à sa sortie d'audience au micro de Amandine Lalsaga. Il était question, n'est-ce pas, du défi majeur, n'est-ce pas, que le pays doit donc relever au cours de cette transition pour le devenir politique, économique et social donc du Burkina Faso et de la région de façon générale. Donc en gros, on a parlé, n'est-ce pas, de la coopération dans ce sens, et bilatérale et multilatérale également. Son Excellence, le Premier ministre, m'a également parlé, n'est-ce pas, des problèmes, parce que bon, le pays a traversé une crise qui malheureusement donc a provoqué, n'est-ce pas, beaucoup de violence au cours desquelles de nombreuses vies, surtout les jeunes, ont été fauchées et également beaucoup de dégâts matériels ont été donc causés
Cela, nous le savons, et la communauté internationale le sait, et l'OCI déplore, n'est-ce pas, cette période, n'est-ce pas, qui a été dure pour le Burkina Faso. L'OCI fera donc ce qui est possible pour contribuer, n'est-ce pas, sur tous les plans, à la réussite, n'est-ce pas, de cette transition que nous sommes en train de vivre ici au Burkina actuellement. La Banque africaine de développement, elle, affiche sa disponibilité à appuyer le Conseil national de la transition à différents niveaux. Une délégation de la BAD a eu un entretien ce matin avec le président du CNT, Thobom Evelyn Dabiri. Cette rencontre entre la délégation de la Banque africaine de développement et le président du Conseil national de la transition avait pour objectif d'identifier les différents secteurs qui bénéficieront des appuis de cette structure financière. Nous avons surtout discuté de ce qui était prioritaire, qui pouvait être fait pendant cette transition, tout en traçant quelques sillons, quelques pistes pour l'après-transition. Pour le CNT, ça va être essentiellement un accompagnement dans la formation des parlementaires. Ça va être aussi une possibilité de renforcement du parc peut-être informatique pour permettre au Parlement de travailler, la connectivité. Vous savez qu'on peut aboutir à un Parlement e-governance le plus rapidement possible. Il va aussi consister à voir de très près qu'est-ce que nous pouvons faire en termes de stratégie de communication pour la jeunesse. Cet appui de la Banque africaine de développement aux secteurs évoqués compte se poursuivre au-delà de la période de la transition. Les jeunes du mouvement du peuple pour le progrès entament une réflexion sur leur contribution au développement du Burkina post-insurrection. Quel est le rôle et la place de la jeunesse dans la gouvernance du MPP? C'est l'autre question qui fera débat au cours de cette toute première convention des jeunes du parti, qui se veut aussi un cadre de dialogue sur les préoccupations de la jeunesse. Maxime Zongo était à l'ouverture de la convention des jeunes du MPP cet après-midi. Voici son compte-rendu. Ils sont venus des 45 provinces du Burkina, du continent africain, de l'Europe et de l'Amérique pour prendre part à cette première convention. Des questions relatives au rôle et place de la jeunesse dans le développement du Burkina seront largement débattues. Objectif, remonter les critiques, suggestions et préoccupations destinées à mobiliser les militants et sympathisants avec en ligne de mire les échéances électorales à venir. Il s'agit dans le programme de notre parti, de notre candidat, de faire de la thématique jeune une thématique centrale et transversale dans le programme du candidat. Donc il est important que nous n'agissions pas en faisant des miracles, mais que nous travaillions véritablement les uns avec la jeunesse pour proposer des solutions qui sont concrètes, pratiques et qui nous permettent d'avancer. Le thème retenu pour cette première convention, la contribution de la jeunesse MPP au développement du Burkina post-insurrection. Un programme, mais aussi un engagement selon les initiateurs. Le soulèvement que nous avons vu au Burkina Faso, cette révolution a été engagée par la jeunesse. Donc, il ne serait pas quand même juste que notre programme, le programme du candidat, ne soit pas en phase avec les aspirations de la jeunesse du Burkina Faso. C'est pour cela qu'au niveau de la jeunesse du MPP, l'Union nationale s'est engagée à tenir la première convention avec l'autorisation de la direction du parti pour essayer d'examiner et faire des propositions dans plusieurs domaines de la vie au Burkina Faso. L'emploi des jeunes, le rôle et la place de la jeunesse dans le système de gouvernance MPP, le leadership et la conduite des projets, voilà les axes de réflexion retenus à l'occasion de cette première convention. Des recommandations fortes sont attendues à l'issue des travaux prévus pour ce samedi.
et la jeunesse du Congrès pour la démocratie et le progrès qui vient de mettre en place un cadre de réflexion et d'action pour le renouveau du parti. Le CRAC recuse a priori le directoire mis en place pour conduire les activités du CDP et exige la démission du secrétariat exécutif national. Les jeunes du CDP se réorganisent donc pour la refondation de leur parti. Ils ont décliné leurs ambitions à la presse. C'est Sylvestre Da. Prenant l'opinion nationale et internationale à témoin, les jeunes du CDP, réunis au sein du CRAC, le Comité de réflexion et d'action pour le renouveau du Congrès pour la démocratie et le progrès, proclament que plus rien ne sera comme avant au sein de leur parti. Pour eux, il n'est pas question de rester en marge des actions de refondation au Burkina suscitées par l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre dernier. Il n'est pas question pour nous, jeunesse consciencieuse du CDP, qui avons longtemps travaillé pour donc l'émergence de ce parti, de rester en marge donc de cette révolution. Donc nous allons créer la révolution au sein du parti, dans la douceur, dans le respect avec les aînés et dans le respect consciencieux effectivement des textes du parti pour pouvoir donc dire que plus rien ne doit être comme avant, mais il faut qu'on recadre les choses, qu'on réinvente une nouvelle manière de faire de la politique et qu'on mette un nouveau contenu dans le CDP avec de nouvelles approches bâties sur des hommes capables et des hommes qui sont humbles et respectueux vis-à-vis du peuple burkinabé. En plus d'exiger la démission formelle du secrétariat exécutif national du parti, le CRAC s'insurge contre la composition du directoire devant conduire les affaires courantes du CDP jusqu'au prochain congrès. Lequel directoire serait composé de plus de 80% des membres du secrétariat exécutif national. Notre vision est d'œuvrer à un dosage équilibré en faveur du rajeunissement et de la prise en compte du genre au sein de la classe dirigeante du CDP, comme une alternative crédible pour la reconquête d'une place de choix sur l'échiquier politique national de notre pays, sans entamer la cohésion légendaire de notre parti. Pour l'atteinte de ces objectifs, la coordination du CRAC dit s'être dotée d'une feuille de route. En collaboration avec les autres structures du parti, elle prévoit organiser des conférences publiques, diligenter des missions de sensibilisation dans toutes les provinces et organiser un forum national en vue de réunir 2000 jeunes leaders et sympathisants du CDP. Le CRAC n'exclut pas de mener des actions ponctuelles en cas de besoin. Mais pour Ali Badra Ouedraogo et ses camarades, il n'est pas question de quitter le navire CDP. Et l'appel au rassemblement lancé par l'autre Burkina, parti pour le socialisme et la refondation, a retenti dans le Kouéougou pour la rentrée politique du parti. Le message était au changement pour relever les défis politiques du développement durable dans la province. Et cela passe par la victoire aux prochaines échéances électorales. Moussaki. Une salle pleine à craquer. Des militants enthousiastes. Nous sommes à Boussé où se tient cette rencontre d'information marquant officiellement la rentrée politique provinciale du parti L'Autre Burkina PSA du Dr Alem Zouga. Permettre à ses membres et sympathisants venus des différentes communes de la province de mieux appréhender les problèmes de développement socio-économique auxquels le Kouéougou est confronté, tel est l'esprit qui sous-tend cette rentrée politique. Et cela afin qu'ils soient des porte-parole auprès de tous les militants de base pour un choix optimal aux échéances électorales de 2015. Notre pays est actuellement en quête d'organisation pour les élections législatives et présidentielles ainsi que municipales. C'est pour ces raisons-là que nous avons décidé dans le Kouéougou d'organiser cette rentrée pour faire connaître à nos militants que c'est le moment de se lever pour réellement montrer à toute la population que ce parti de l'autre Burkina est venu pour travailler. En prélude à cette rentrée politique, la ville de Boussa a vu ses athlètes débarrassés des déchets plastiques et des ordures de tout genre. Et ces gestes est à mettre à l'actif des militants de l'autre Burkina PSR qui épousent ainsi la doctrine de leur parti qui se veut être un parti politique d'hommes et femmes qui travaillent avant de parler. Et la cerise sur le gâteau, la commune s'est vue dotée d'une dizaine de poubelles à ordures. C'est nous qui devons faire la preuve que nous sommes un bon parti. Et c'est pour cela que nous avons entamé depuis un certain temps, vous le savez déjà, à travailler au niveau de l'ensemble des provinces. Nous sommes implantés, nous sommes désormais assis. Maintenant, c'est la bataille des villages, des secteurs, pour préparer les élections qui viennent. Cette rencontre a été mise à profit par le premier responsable du parti pour procéder à l'installation officielle du bureau communal fort d'une vingtaine de membres qui se sont vus arborer des chars témoins de leur engagement à œuvrer pour un développement durable de la commune de Boussé.
La société civile, elle, ne veut pas rater le coach pour des élections transparentes au Burkina Faso. Et pour relever ce défi, elle veut d'abord s'approprier les notions d'observation, de monitoring ou de co-supervision des élections. Le réseau des organisations de la société civile pour une observation citoyenne des élections, en partenariat avec Gore Institute et le Centre pour la gouvernance démocratique, a initié une formation dans ce sens. À Ouagadougou, Ini Walkoy, Janine Kambiri. Les élections sont un moment privilégié d'animation de la vie politique et de la participation politique de tous les citoyens. Cependant, force est de constater que cette participation citoyenne est de plus en plus problématique et que les efforts consentis tant au niveau du gouvernement que des partis politiques demeurent insuffisants. C'est la raison pour laquelle le réseau des organisations de la société civile pour une observation citoyenne des élections, réseau CEL, constitué de plus de 19 organisations, a lancé la réflexion. Notre rôle, comme on l'a dit tout de suite, c'est de pouvoir vraiment être en synergie d'action sur le terrain, accompagner la CENI qui est en charge d'organiser les élections durant les trois phases électorales du processus électoral. Je parle de la phase préélectorale qui sera constituée principalement par la sensibilisation, en tout cas pour l'enrôlement biométrique qui sera déjà lancé, on doit pouvoir monitoriser ce domaine. Et aussi la phase électorale proprement dit, le jour du scrutin même, on aura déployé des observateurs sur tous les territoires. Phase post-électorale, il s'agit ici de suivre un peu le financement des partis politiques, suivre ce bilan. Formé par des experts de l'Institut de Gorée et du Centre pour la gouvernance démocratique CGD sur le monitoring de supervision des élections, les participants sortent renforcés de cette formation. Nous avons suivi des formations sur la gouvernance électorale, sur le cycle électoral, quand part le procédé électoral jusqu'à sa fin, et aussi le cadre légal même, qui est très important aujourd'hui. C'est convaincu que par ces actions de formation, de sensibilisation, de monitoring, d'information et d'observation, le ROSECEL pourra contribuer à renforcer l'organisation d'élections pacifiques, libres, équitables et transparentes, salutaires pour la consolidation de la démocratie et de la paix au Burkina Faso. Autre point de l'actualité, la Fédération des associations islamiques du Burkina Faso dispose désormais d'un siège pour faciliter les rencontres et les activités des associations et autres organisations de cette confession religieuse au Burkina Faso. L'infrastructure située à Ouagadougou a coûté près d'une cinquantaine de millions de francs CFA. Elle a été inaugurée en présence de Nathalie Savadogo Nabaloum. Voici le nouveau siège de la Fédération des associations islamiques du Burkina Faso. Située à Ouagadougou, l'infrastructure est bâtie sur un terrain clôturé de près de 9000 m². Elle comprend trois bureaux, deux grandes salles de réunion, un magasin et un local pour vigile d'un coût total de 49 millions de francs CFA, le tout sur fonds propres. C'est en l'an 2000 que notre communauté, réunie à Doha au Qatar, à l'occasion d'une conférence, a convenu la nécessité impérieuse de créer une structure fêtière de l'islam au Burkina. Nous œuvrons pour la paix. Ce que nous demandons à Dieu, c'est qu'il continue à poursuivre nos efforts dans le sens du dialogue. Et cette maison est vouée aussi à ça. Une inauguration assurée par le ministre en charge de l'administration territoriale et de la sécurité et en présence de nombreuses sommités. Une occasion pour Auguste Denis Bahari de renouveler la gratitude de son Excellence, Monsieur le Président du Faso et de l'ensemble du gouvernement de la transition pour les prières et bénédictions qui ont permis au pays de sortir des douloureux événements des 30 et 31 octobre 2014. C'est un outil de mobilisation des fidèles musulmans et un outil, n'est-ce pas, de propagation de la doctrine musulmane. Les événements de Ramatoulaye et de Charlie Hebdo n'ont pas été occultés. Le ministre Bahari a encouragé les fidèles à travailler dans le sens du raffermissement des liens interreligieux et d'être des messagers de la paix.
La visite guidée des locaux et la signature dans le livre d'or par le ministre de l'administration territoriale, de l'ambassadeur de France et du représentant du cardinal ont mis fin à la cérémonie. Les fidèles musulmans de Kelbo, dans le Sahel, ont célébré l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed samedi dernier. C'était une nuit de prière et d'invocation à Dieu pour la paix au Burkina Faso. Nous écoutons le compte-rendu de Issa Lankwande. Moment d'intense communion pour ces fidèles musulmans venus de toutes parts du Burkina, du Mali, mais aussi du Ghana, ici à Pogzé-Baogo, dans la commune rurale de Kelbo, pour célébrer le Mouloud, marquant l'anniversaire de la naissance du prophète de l'islam. Autour du cheikh Abdoulaye Kirakoya, de nombreux hôtes, malgré la fraîcheur, n'ont pas marchandé leur présence à cette nuit de prière pour la paix et la cohésion au Burkina Faso. Lecture du Coran, prêche et chants d'adoration à l'honneur du prophète Mohammed et autour de sa vie ont ponctué cette nuit du Mouloud. C'est le foyer qui est la fondation pour une vie sociale apaisée. C'est là que la cohésion doit naître pour ensuite être la base de tout projet social. Les relations au sein du foyer doivent être comme amicales entre l'homme et sa femme et non des relations de domination. Chacun d'eux mérite le respect à sa juste valeur. C'est ce que nous recommandent les saintes écritures. Cette année encore, comme les années passées, les fidèles musulmans ont répondu nombreux à cette célébration du Mouloud dans le village de Pogzé-Baogo, à la grande satisfaction des organisateurs. Nous avons prié pour la paix et la cohésion au Burkina Faso et aussi en Guinée à travers la lecture du Coran et des invocations. Et pour cette soirée, nous avons demandé à Dieu de protéger tous ceux qui ont effectué les déplacements jusqu'ici. Les participants à cette nuit de Mouloud se sont encore donné rendez-vous pour la prochaine édition, tout en invoquant Allah pour qu'il fasse descendre ses grâces sur le Burkina Faso. Et nous revenons à Ouagadougou pour du théâtre. Et la nouvelle affiche au cartel de Gounguin, c'est l'ours d'Anton Tchekhov dans une mise en scène de Île des Vers, Méda. C'est un classique qui met à nu les relations hommes-femmes et le matérialisme dans la société russe du 19e siècle. Avec sur scène Alain Emma, Serge Henry et Laure Guiré, un avant-goût pour les amateurs du théâtre, avec Aruna Maré qui a suivi la grande première hier. L'amour est-il plus fort que tout? L'ours d'Anton Tchekhov est l'histoire de cette veuve propriétaire terrienne. Depuis 7 mois, elle s'est retirée du monde suite au décès de son époux. Ce créancier de son défunt mari réclame le paiement immédiat de sa dette. S'il vous plaît, aujourd'hui je n'ai pas d'argent disponible. Ancien militaire, criblé de dettes, le créancier est aussi un célibataire endurci, dessus de l'autre moitié du ciel. Je me suis battu 3 fois en duel pour des femmes. J'ai quitté 12 femmes. 9 m'ont lâché. Oui, femme, vous connaissez par vous-même la nature féminine. Dites-moi en conscience si vous avez vu dans votre vie une femme qui soit sincère, fidèle et constante. L'auteur, c'est Anton Tchekhov. J'ai pris le texte tel qu'il est. Hein. Je ne l'ai même pas adapté. Ce que je voulais exprès, voilà, m'attaquer à un classique. Je trouve que c'est une histoire, même si elle est banale, elle me permet d'explorer des choses, des pistes de recherche théâtrale avec les comédiens. De partager un langage avec le public. Vous ne verrez qu'après-demain. Fort bien. Jusqu'après-demain, je resterai comme ça. Voilà. L'amour, l'orgueil, la colère et l'avarice finissent par fondre comme de la glace au soleil. Tombé sous le charme de cette flamme, l'ancien soldat finit par lui demander sa main en lieu et place de sa dette. J'ai bien apprécié. C'est un spectacle russe qui ne prend pas l'âge. Voilà. Et c'est assez court, c'est très bien fait. Je l'ai trouvé impeccable. Et je pense que c'est des spectacles comme ça qu'on doit soutenir, les encourager vraiment à aller de l'avant. De la colère naîtra l'amour. Ici, sous le canapé, loin des regards indiscrets.
et pour son prochain long métrage, Adama Rwamba fait lui aussi dans la comédie pour relever les travers du pouvoir en Afrique. L'humour dans le ton du neveu de l'homme fort ne devrait pas manquer de secouer les consciences africaines, a confié le réalisateur burkinabé sur le plateau du tournage à Claudine Bikaba. Le neveu de l'homme fort, c'est le titre du nouveau film en tournage du réalisateur burkinabé Adama Rwamba. Un long métrage d'1h30 qui mobilise une cinquantaine de comédiens pour environ un mois de tournage. Enfin, c'est l'histoire en fait d'un chef d'État qui, après 25 ans de pouvoir, n'avait pas l'intention de continuer. Mais il avait un neveu en fait, qui était le PDG disons, d'une société d'hydrocarbures et de gaz, la société nationale en fait, qui avec quelques disons, caïds en fait, du parti politique, en fait, du parti présidentiel, décide de le pousser à se représenter. Parce que, comme je paraphrase en fait, un des dialogues, les présidents se protègent entre eux. Et nous autres, s'il n'est plus président, qu'est-ce que nous on devient ? J'ai opté pour l'humour et c'est sûr que ceux qui viendront en salle riront au début jusqu'à la fin. Dans ce long métrage, les cinéphiles feront la découverte de nouveaux visages dans cet univers, tandis que d'autres sont déjà très connus du grand public. Dans ce film, je joue le rôle du protocole VIP, du neveu direct de l'homme fort. Je crois que je suis bien entourée. Je suis entourée par des gens qui ont beaucoup plus d'expérience que moi. Et puis bon, comme il a dit tout à l'heure, c'est un challenge. Et on va dire que j'aime beaucoup tout ce qui est ambiance, famille, chaleur. Adama Rwamba a une structure de séries télé et plusieurs réalisations à son actif, dont Petit Sergent, Célibatérium et la dernière en date, Du jour au lendemain, produit avec Michel Boyeri et qui est sélectionné pour le prochain FESPACO. Et on fait à présent un détour par Bata pour les nouvelles des étalons du Burkina qui préparent activement leur dernier match de poule. Une délégation de supporters a tenu à rencontrer le 11 national après le match contre la Guinée équatoriale. Des supporters venus tout simplement encourager les étalons pour la rencontre du dimanche qui sera décisive pour la suite de la compétition. Depuis Bata, le compte-rendu de nos envoyés spéciaux Arthur Ouédraogo et Jean-Modeste Ouédraogo. Voici le programme du jour des étalons de Burkina Faso au lendemain du match nul enregistré face au pays organisateur, la Guinée équatoriale. Au menu, 9h, c'est le réveil, 9h30, le petit déjeuner, 10h, entraînement. Après 1h30 environ, ils sont de retour à la Villa Cellouti. Les consignes sont claires, pas un seul mot à la presse, encore moins les supporters. Le programme ne prévoit pas de visite, mais les supporters représentés par le vice-président tiennent à rencontrer les joueurs et leur faire part de leur souffrance et leur déception suite à l'incapacité du Burkina Faso à marquer le moindre but en deux sorties. Je n'ai pas pu rencontrer les divers joueurs, mais j'ai rencontré les dirigeants, les présidents, même pour, j'ai rencontré le président lui-même pour dire ce qu'il y a. Mais je l'ai dit, le président, j'ai dit les enfants là que nous, des supporters, on sont ici, mais on n'est pas bien dormi, on n'est pas mangé, on n'est pas content. À défaut des joueurs, ils ont pu rencontrer les responsables fédéraux à qui ils ont livré leur message. C'est pour ça qu'on est venu pour gagner la coupe. On n'est pas venu pour regarder le pays, on n'est pas venu pour regarder des jolis chars, on est venu pour autre chose. Les choses, c'est quoi? On est venu pour partir avec la victoire. Mais si on allait en Afrique du Sud, pour match amical, on gagne 5-0, 5-1, 2-0. Mais pourquoi ils sont ici, ils ne marquent pas les buts? Pourquoi on est venu pour ça? Donc c'est ça que je suis venu pour les demander. Ce qu'ils font, c'est bon. Mais on ne veut plus que ça. C'est ça seulement que j'ai venu le voir ce matin. Les supporters ont néanmoins remis une enveloppe d'une valeur de 500 000 francs CFA aux étalons en guise d'encouragement. Le troisième match se joue à Ebebiyin, une ville de 30 000 âmes située à environ 200 km de Bata. Fait majeur, les étalons restent la seule équipe à n'avoir pas encore marqué dans cette compétition. Ce dimanche, face aux Diables Rouges du Congo, les étalons de Paul Put doivent retrouver le chemin défilé s'ils veulent et tiennent à rester dans la compétition. Voilà, on s'arrête là pour l'actualité de ce jour sur la télévision de Burkina. Bien merci à vous de nous avoir reçus chez vous. Très bonne suite de programme à tous et à toutes.
À demain pour d'autres informations.